suis en train de prendre une vidéo. Et bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve encore une fois à la maison, on va saquer dedans. J'ai mon frère qui est venu donner un coup de main. Et du coup, ben, on continue la pièce là. Notre but c'est d'essayer de finir aujourd'hui cette pièce là. Bon, du coup on a déjà commencé, du coup avec une grosse masse ça a pris 3 minutes à tout casser. Du coup forcément ça va beaucoup plus vite. Puis après, ben, tout doucement, une fois qu'on aura déblayé ça, on ira vers là-bas, ce sera beaucoup plus pratique d'être sur... sur la terre ferme, comme on dit. Allez, nous, on enchaîne. À cette allure-là, je vais finir anorexique, moi. Bon, je vous montre. Deuxième, on va faire le deuxième aller-retour à la déchetterie. On a déjà quand même bien déblayé. Au-dessus, on va mettre les gros morceaux dans la remorque. Donc là, il nous reste encore ça, mais il y a de la ferraille qui nous embête, là. C'est trop chiant. Du coup, là, on est un petit peu plus emmerdé qu'au début. Vous voyez, cette ferraille, là. On ne peut pas peler en dessous. Et après, il y a du... Vous savez, la fibre qu'ils mettent dans les hôpitaux, là, comme c'est tombé. Quand on pèle la fibre, ben, elle enlève tout ce qu'on a mis sur notre... Mais du coup, c'est trop chiant pour pouvoir le faire correctement. Mais bon, ça avance. Et comme vous voyez là, comme on se libère du chemin, après on aura quand même beaucoup plus accès à tout ce merdier là. Donc là on va voir si on peut continuer à ramener après des gravats. Je vais demander au mec de la déchetterie si c'est ça, on continue ça. Et si on peut pas, ben on se mettra au niveau des encombrants pour éviter, parce que la benne de gravats elle est déjà pleine. Elle était déjà pleine ce matin, mais bon, du coup je pense qu'après il va nous dire ben non c'est tout, arrête. Je pense qu'après ce voyage là. Du coup voilà, après on va attaquer ça. Mon frère il va essayer de... débloquer la baignoire, mais elle est... il y a tellement de merde que c'est compliqué. Allez, nous. Bon, qu'est-ce qu'elle fait? C'est vrai que elle devrait rester dans l'armoire, que je la foutrai à la benne en même temps. N'est-ce pas? Ouais. T'es bien là? Mais reste là, tu prendras moins de place dans ma voiture. Nickel. C'est vrai. C'est vrai qu'il fait déjà bien chaud. Il est quelle heure là? Il doit être midi, non? Il est déjà midi? Bah, je sais pas, t'as ton téléphone là. Ouais, mais je suis en train de filmer. Allez, c'est parti. Quelle heure? Bon, bah, il va être midi. Allez, nous on y va. Fais voir comment tu bosses bien, mon cœur. On a perdu quelqu'un. J'aime bien, je dis mon cœur en vidéo, alors qu'en vrai, je t'appelle jamais comme ça. On a perdu son frère au combo. C'est vrai. Bah, oui, il est pas là. Allez. Bon, comme vous le voyez, semblant de rien, ça avance. Eh, beau petit carrelage, hein, qu'est-ce que vous en pensez? On le garde? On le garde? Ah mais regardez, semblant de rien, aujourd'hui ça a été quand même beaucoup plus vite qu'hier. Je vous dis, rien que le fait que mon frère il soit là pour surveiller, on gagne une demi-heure à chaque fois. Entre deux, dès qu'il peut, il donne un petit coup de main et franchement, on voit, on avance quand même beaucoup plus vite. Du coup, là, on termine le peu de saut. Par contre, on peut plus faire d'aller-retour de gravats. Le mec était déjà bien gentil de nous faire nous accepter trois fois. On a fait 3 mètres cubes à peu près. Et bah après il y a dit tu peux, mais que de l'encombrant. Alors du coup ben les seaux on les prépare ici pour demain ou un autre jour. Et puis ben après on va attaquer ici quoi. Comme ça samedi avec mon père on essaiera de trouver des choses pour tout calfeutrer quoi. Ce sera pas mal. Allez, bon moi je peux pas trop prendre de vidéos. Faudrait que je pense à prendre le trépied pour faire des timelapses et tout. Parce que bah là on peut pas trop poser le téléphone. On va essayer quand même après de faire un timelapse pour ça. Et Un timelapse pose. Ouais, non, ça sert pas à grand chose, hein. Tu vas pas bouger beaucoup, on n'aura pas l'impression que c'est un timelapse. Hein. Ou alors si ça fera une micro pause, ouais, alors qu'en vrai. Ça fait 10 ans. Ah ouais. Ça fait 10 ans que la maison n'était pas habitée. Peut-être. À moi, qu'il y a un homme qui a eu du mal à avancer dans les années. Allez. On finit le peu qui nous reste. Et après. Ah, franchement, je sais pas combien de degrés il fait, mais là, ouais, il fait très chaud. Allez. On garde la foule. C'est parti. Bon. Alors, on va vous montrer. Donc là, dans la baignoire, on s'amusait à mettre toute l'amiante qu'on a triée. Franchement, on pensait pas qu'il y en avait autant. Là, c'est que du bois. Donc on a déblayé pour remblayer, hein, comme vous voyez.
Bon, il reste plus que ça. Bon, on n'aura pas terminé ce soir malheureusement. Parce que bah il est quand même 17h quasiment là. Le temps de faire un aller-retour avec la remorque de tout ce qui est sac comme ça. Donc là c'est que de l'encombrant. Et en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va revenir prendre le restant des seaux ici. Et sur la route il y a une autre déchetterie. On va juste mettre les seaux de gravat dans une autre déchetterie. Du coup voilà, mais bon on a super bien avancé. Déborah, elle déprime, mais elle se rend pas compte de tout ce qu'elle fait. Tout à l'heure, elle m'a dit dans la voiture, je pensais pas que ça aurait été aussi difficile. En même temps, enfin, j'ai pas pris le plus petit projet pour commencer. Moi, ça va, je veux dire, moi, c'est pas des choses qui me font peur. Déborah, c'est la première fois qu'elle fait des trucs comme ça, enfin, du moins de cette ampleur. Du coup, forcément, au début, on est tout enthousiaste, on se dit, ouais, c'est super et tout, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Sauf que le corps a ses limites. Mais franchement, je veux dire, tu peux être fier de toi quand même. Motivation. Elle a pas l'air convaincue d'elle-même, tu sais. Non mais franchement, enfin, je sais pas si vous vous rendez compte, hein, ça a touché quasiment le plafond. En 2 jours, on a fait les 2 pièces-là, dont un plafond complet qui était tombé. Donc là, après, il faudra faire tomber celui-là, mais bon, pour l'instant, ça restera comme ça. C'est déjà plutôt pas mal. Du coup, là, rapidement, il faudra condamner ces trucs-là pour pouvoir faire une cour. Ton frère a dit, il y a juste à marcher dessus pour qu'il tombe. Non, bah moi, je marche dessus depuis le début. Bon, ah ouais, mon frère. Je vais manger un kebab et c'est bon. Du coup, voilà, bon, après, bon, ce sera pas tout de suite. Hein. Mais après, forcément, ce n'est pas terminé. Hein. Il y en a des autres, des pièces, hein. Ah ouais, il y en a encore beaucoup, beaucoup. Bon, on a dû s'arrêter. Déborah va devoir reprendre la route parce que je pense que je suis déshydraté. Pourtant, on a dû boire pas loin de 8 litres d'eau, si je dis pas de conneries. Et j'ai ma bouche sèche comme pas possible. Et là, on vient d'aller au magasin pour faire des courses pour demain. Et ah, j'ai pas... C'est Débo qui a dû ranger les courses parce que je me sentais pas bien. Je pense pas que ce soit une insolation, parce qu'une insolation c'est quand même bien pire que ça, mais dès que je bois ça va mieux, mais j'ai l'impression que d'avoir toujours ma bouche sèche. Alors ça avec le diabète je sais que c'est pas bon, mais du coup ouais, petite faiblesse. Du coup la vidéo arrivera un petit peu plus tard ce soir, j'espère que vous m'excuserez. Bon, on va faire la vidéo tout à maintenant parce qu'après on sait pas si on sera encore capable. Allez, nous on vous souhaite plein de bonnes choses, profitez du beau temps, j'espère que vous suffoquez pas trop. En tout cas, nous, on vous dit à la prochaine, mais d'ici là, surtout de ce temps-là, hydratez-vous et prenez soin de vous. Ciao !